Bonjour à tous, bienvenue sur le site Comment gagner à la roulette. Ce site, vous le trouvez donc à l'adresse www.reelargent, REELARGENT.eu. Donc, on continue. Nous sommes sur le casino Riva. Et comme promis, je vais essayer donc de jouer sur la méthode opto-répétitas, comme je l'avais dit la dernière fois, je cherchais à avoir 8 numéros. Alors là, j'ai pas tourné la roue, j'ai rien. En fait, je n'ai rien arrangé du tout. J'ai continué et je continue, sachant que l'un des 8 conseils dit surtout ne pas rejouer en même temps, hein. Mais grâce à tous les conseils que je donne et toutes les méthodes, il est fort peu probable qu'un casino arrive à repérer tout ce que je fais par rapport au jeu que je développe dans ces casinos. Alors, les méthodes sont multiples et variées. Ici, nous venons de voir, donc on était tout dans la vidéo précédente à jouer sur des répétitions. On va continuer cette fameuse répétition. On savait que le 4 s'était répété, qu'on était en train de jouer sur, si je ne m'abuse, le 11. Le 24, donc on avait le 25 et le 26, si ma mémoire est exacte, et on vient de voir le 35 et 34 se répéter. On va mettre une pièce forcément sur le 0-3. Parce que monsieur le casino, il est malin. Donc, on va mettre aussi des 50 centimes sur cette fameuse série numéro fétiche que vous voyez. Et on va donc lancer le fameux spin. On y va. Donc, on va faire 34. Alors, vous voyez, je viens de perdre 1,60 €. Donc, on continue. Ce n'est pas très grave. Mais on va monter d'une seule petite pièce sur chaque colonne, au cas où. Parce que on connaît monsieur. Il est parti pour m'avoir repéré, étant donné que je vous ai dit, hein, on ne joue pas trop longtemps sur un casino. Mais bon, je vous montre quand même que lorsque l'on est repéré. 16. Donc ballottage, hein. Faites vos jeux. 1,80 pour 1,80. On continue. On mise sur le 16, donc on repère que le 16 fait bien partie de notre colonne. On est d'accord. On a 34, 35, c'est très bien comme ça. Allez, on y va. Toujours ballottage, 1,80 Faites pour vos jeux. 1,80. Alors on revient sur ma méthode précédente, rappelez-vous. Même mise, et cette fois-ci, là on va faire très fort. Hein. On va miser 50 centimes ici, 50 centimes ici et 50 centimes ici. Donc 23,27 le carré, 28,32 le carré et la colonne centrale. Nous y allons, nous sommes en train de miser 3,30 €. Alors, oh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de miser le 36, forcément. Alors, on y va. Voilà. Ah oui, bien sûr, je gagne. Faites vos jeux. On va dire que c'est pas une routine, c'est de savoir jouer à un bon moment quand il le faut. Donc, on continue, hein, vu que je dois jouer sur l'opto-répétitas, moi. Mais le 36 étant sorti, je vais jouer sur le 11, sur le 25-26 et 34-35. Et donc, comme les colonnes ne sont pas sorties, première colonne, deuxième colonne, parce qu'on est avec nos numéros fétiches, 1, 4, 7, 33, 34. Hein. Alors, une pièce sur le 0,3 et on sait que si on est au maximum en train de jouer sur le côté gauche,
Et là, c'est ce qui se passe. On joue un maximum sur le côté gauche. Le casino va venir jouer ici, maximum, côté droit. Donc, j'ai joué ces pièces-là. Donc, on va annuler la mise, là, parce que j'en mets trop. Je vais annuler cette mise-là. Je mets trop, en fait, hein. On met trop, là. Voilà, c'est pas bon. Annuler une mise. On annule. Voilà. On va remettre des pièces de 10 centimes. On n'a pas beaucoup d'argent, là. Donc, on va pas tenter le diable. Allons-y. 27, 36. 16, 27 et 36. Voilà, donc je suis à 71 euros. On va recontinuer, hein. On recontinue, on met la même mise. Et on ne double rien, on joue comme ça. Je crois que le 19 va sortir ou le 29. Peut-être. Je dis peut-être des bêtises, hein, forcément. Voyez-vous là, donc là, le casino sait que je joue à gauche. Donc lui, il joue à droite. Hein, mais comme je garantis ici, hein, 12, 15, etc., je gagne quand même. Bon, là, il a repéré que je jouais ici. Donc il va essayer de jouer ici, quoi, en fait. Mais moi, je garantis ici, ou alors il va jouer là. Ah. Bien. Bon, bah écoutez, 70. On était sur 77 euros, il m'en manque encore 3, hein. Donc là, 11, bon, ça pourrait suffire. Donc 15, 11, on va jouer quand même. On va rentrer le 11. 9, 11. 9, 15, 11. Alors là, j'ai perdu, hein. On recommence. Et je sais que 32, c'est 32-35 généralement, hein. Donc, là, on met quand même 2,30 € à chaque fois qu'on joue. C'est pas très grave. On est sur un 4-7, 33, 34. Et on est très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et à 8 numéros de là. Ça finira par sortir, je pense. Allons-y. 1, 4, 7, 33, 34. Allez, on joue. J'avais joué autre chose, mais non. Peut-être que je vais perdre. Ouais, je m'en doutais. Je me doutais forcément. Je me doutais qu'il allait jouer un 4-7. Forcément, les numéros finissent par sortir. Je vais continuer à jouer. Donc là, je vais tout effacer. Je vais annuler tout et je vais repartir sur mes répétitions de numéros. Voilà. Et j'étais avec 34, 35. Et puis, bien, avec le 0,3, là. Le 11 était sorti. Et puis, ben, on continue, on continue, on continue. C'est pas très grave, là, hein. Donc, 32, 1. Forcément. 1, 4, 7, 33, 34. C'était chronique d'une mort annoncée, comme on dit souvent, mais bon. C'est pas très grave, on faut pas avoir très peur par rapport à ça. On regarde bien, donc on va aller voir dans mon logiciel là, s'il nous fait pas jouer bah, auto-répétitas, parce que je veux jouer auto-répétitas. Pas encore, hein. J'ai pas encore mes 8 numéros. Bon, on continue. Allons-y. Alors, ce que je peux jouer, c'est la troisième douzaine, hein. On va voir. Prochaine fois. On va jouer la troisième douzaine. Pourquoi? Bah parce qu'on a tous nos numéros qui sont ici. Hein. Donc on va jouer 50 centimes. Voilà. On pourrait aussi jouer les colonnes. Donc tiens, on va le faire. On pourrait. On va le faire. On va pas s'en passer. On est en train de jouer 2 euros, quoi. Allons-y.
Un 50 pour deux. Faites vos jeux. On continue. 19 donne souvent naissance à 9, 19, 29. Alors là, ah zut, je mise beaucoup trop. Allons-y. Tentons l'aventure. 9, 19, 29. C'est jamais, hein? Pourquoi pas? Que vous avais-je dit? Que vous avais-je dit? 9, 19, 29. Faites vos jeux. Donc on est sur 25, 26, 34, 35, on est d'accord. Troisième douzaine. Voilà. Et ici, 0,3. Et puis allons-y, hein, au diable l'avarice et les avaricieux. Attention, vous voyez comment on peut partir dans un délire par rapport à votre masse ici, hein, 69,10 €. Faites bien attention à ça, hein, j'avais 72 euros. On y va. Donc 9. 31. Noir. Impair. Vous avez gagné. Alors la façon de jouer, c'est une Faites façon vos jeux. qui aborde les colonnes et les chances multiples sont toujours très intéressantes à jouer aussi, hein. On y va. Le 31, pas de numéro qui se répète. On va aller mettre le 31 dans le tableur. 31. Pas de dodécastyle, pas d'octorépétitas. J'arriverai peut-être à vous faire voir aujourd'hui, hein, avant que le casino ne me repère. Alors voyez-vous, Vous avez gagné. le casino est en train de jouer un Faites vos jeux. maximum sur des répétitions là aujourd'hui. On le voit, répétition du 11, répétition de plein de numéros, hein. 31, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Des suites de numéros. Ça, c'est l'occasion rêvée. Eh bien, vous jouez sur, vous surfez sur la vague, en fait. Vous surfez sur ce que le casino vous donne. Il ne faut pas vous entêter à vouloir jouer une méthode si le casino vous en montre une autre. Jouez avec cette vague. Surfez dessus. Bon, là, j'ai joué 100. Mais bon. 27. Ah, alors, Rouge. apparemment, je suis Faites vos jeux. sur 8 numéros avec le 27 maintenant que je vais rentrer. Alors, attention, ici, nous sommes sur l'octorépétitas. Voilà. Donc, octorépétitas plus central, hein. Alors, on est avec 4, 9, 11. Allons-y. 4. Une pièce de 10 centimes. 4, 9, 11, bien sûr, il y a le 27. Alors, qu'est-ce que disait le logiciel? 4, 9, 11. 4, 9, 9, 11. 15, 25, 27, 29. 15, 25, 27, 29. Ah, bah, dites donc. Alors, j'ai du mal à la rattraper. 31 et 36. 31 et 36. Une pièce au 0,3. Voilà. Et ici, une pièce au 0,3 et notre méthode de tout à l'heure, hein, vous vous rappelez? Voilà. Au cas où. Pour nous donner une bonne petite couverture de jeu. On va jouer. Couverture confortable qui nous fait perdre. Faites vos jeux. Bon, alors apparemment le 16 est de retour et le 16 il faut le jouer parce que c'est un numéro de oh pardon. Donc là à chaque fois c'est la même blague. Je suis resté sur la mise d'avant 16. Étant donné que c'est je vous répète, hein, c'est ici on rentre le 16. Dans mon logiciel, là, le 16, forcément, faut que je le joue. Étant donné qu'il s'est répété. Voilà, il s'est répété. Nous avons 10 numéros maintenant. On s'arrêtera à 10 numéros. Tant pis,
Pour le reste, on ne va pas au-delà. De 8 à 10 numéros, c'est suffisant dans Auto Repetita. C'est ça que je voulais vous faire voir, hein. Donc on est ici 25-26. Rappelez-vous, tout à l'heure, on était en train de jouer sur le 25-26. On jouait sur le 31, mais il était ressorti. Et puis, eh bien, eh bien, on y va. Allons-y. Un 50. Faites vos jeux. Un 50 pour 2,70, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à jouer. C'est la centrale, j'en profite. Le 8. Je suppose que Auto-Répétita va me donner le 8 aussi. Hein? Non. Donc, on reste bien avec nos 10 numéros. Sachez quand même que soit vous montez en masse. Et là, je devrais monter, mais mon capital étant petit, 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 je ne mise pas en montant. Et j'ai raison. Bon. Alors Faites vos jeux. que nous reste-t-il? Le 15 a été gagné. J'arrête de jouer sur Auto Repetitas. Je me souviens des numéros 25, 26. Je me souviens de 31. Mais je me souviens aussi du 27, avec ma méthode de tout à l'heure. C'est-à-dire 23, 27, 34, 35 et centrale. J'oublie pas, bien sûr, je n'oublie pas. Je n'oublie pas de jouer sur le 0,3. Alors que va-t-il se passer? Le casino va pas me faire gagner sur la dernière douzaine. Je vais quand même jouer ici. Au cas où, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Bon, alors, Faites vos jeux. allons-y, on continue à jouer. Je reprends les mêmes mises. Mais, rappelez-vous tout à l'heure ma série fétiche. Là, cette fois-ci, j'ai joué en plein. Et on va viser, regardez, je suis à 65,50. On va viser. Alors, on était à quoi là? Donc on est 16, 8, 15, Faites vos 4, jeux. 19. 16, 8, 15. 4, 19. On attend éventuellement du numéro Statodo des Castilles pour pouvoir jouer. Hein. Même mise. Et voilà. 3 euros. Six numéros. Même mise. Et cette fois, je suis à, avec le 4, hein, on y va, on est en mise égale. Masse égale. Et là, on a 2, 3, 10, 22. Voilà. Donc, on a gagné aussi Faites là, vos hein. jeux. Et on a toujours, comme tout à l'heure, rappelez-vous, 25, 26 ne sont pas sortis, 31, 34 et 35 ne sont pas sortis, si je ne m'abuse, hein, on regarde bien. On est sur la troisième douzaine. Voilà, on met ça, ici, une pièce là, 1, 4, 7, 33, 34, toujours pas sorti, 1, 4, 7, 33, 34, hein. Et notre logiciel 29-27, on va regarder ce qu'il me donne. Alors 2, 3, 10 et 22. 2, 3, 10 et 22. 2, 3, 10 et 22.
Allons-y. Faites vos jeux. Même pas peur. Alors, 23. On y va. Alors là, on nous donne 2, 3, 10, 22 et 30. 2, 3, 10, 22, 30. On y va. Alors, on garde bien son capital à gauche, hein. Alors, ici, rappelez-vous, 23, 24 viennent de se répéter. 23, 24. J'étais avec 1, 4, 7, 33, 34, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais monter en masse sur ces numéros-là. Cette fois, il faut éventuellement gagner un peu d'argent. D'accord? Donc, on tente quand même des numéros qui sont assez lointains. Voilà. Et on vient de gagner 5,40 € qui ne me ramène pas forcément l'argent, hein. Faites vos jeux. Mais je vais quand même tenter l'aventure. 23-3. Voilà, ça s'est arrêté forcément, hein. Mon logiciel s'arrête quand il a joué, quand il a gagné. Je vais jouer. Voilà. Puis 30. Alors, vous voyez ici, je suis en. Faites vos jeux. Je gagne, je remonte, je descends, je monte, je descends. Je vais, comment dire, jouer sur les fameuses répétitions pour me réfugier dans quelque chose de plus important. Donc 25, 26. On avait le 31, le 34 et le 35. On est ici sur la troisième douzaine, hein, si je me rappelle bien. Là, ça s'échelonne un peu. Et on va mettre nos fameuses pièces de renfort sur 32, 35. Et, vous voyez, 20, 23 et 24, c'est joué déjà. Donc, on ne va pas rejouer. Donc là, on a gagné, mais on est revenu à 70 €. Et j'étais à combien, rappelez-vous? Un peu plus de 72. Ça ne m'intéresse pas, je reste à vouloir gagner, coûte que coûte, mais sachez quand même, hein. Voilà, ça y est, 74,10 €, je peux estimer que je suis gagnant, hein. Faites vos jeux. Je suis à 74 €, j'étais en début de partie et un petit peu moins. C'était juste, donc je voulais vous montrer ce que c'était que la méthode auctorépétitas. Hein, jouer 8 numéros, 10, pas plus. Et puis on peut bien sûr forcément s'amuser avec toutes les autres méthodes que je viens de vous montrer dans cette vidéo, qui est quand même pas mal. Et je peux vous garantir que si vous jouez de cette manière-là, vous allez gagner obligatoirement. Ici, attention, hein, je vous répète. Je me suis reconnecté juste après la précédente vidéo. Donc je suis un peu repéré maintenant par le casino. Je ne vais pas tenter l'expérience plus loin. Je suis à 74,10 €. Je m'estime heureux d'avoir gagné. À bientôt à tous pour une prochaine vidéo toujours beaucoup plus intéressante. Je vous donnerai de plus en plus de méthodes. Quoi qu'il arrive, je suis avec vous à chacun de vos pas. À bientôt.